Salut les amis et bienvenue une fois de plus sur votre chaîne de l'information préférée Réveil d'Afrique. Avant de commencer, nous tenons tout de même à vous rappeler que ceci est une vidéo juste à titre informatif et non pour inciter les gens à la haine. Raison pour laquelle nous allons vous prier et vous demander de rester très très courtois dans vos commentaires. C'est une information confirmée par le colonel Mori Kaba, porte-parole du ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Alors, en partance pour l'intérieur du pays, le cortège du ministre d'État, ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le général à la retraite Bachir Diallo a fait un accident de la circulation dans les encablures de la préfecture de Mamou. C'est le véhicule qui servait de flèche qui se serait renversé dans un ravin, confie le colonel Kaba, sans donner plus de détails. On apprend que plusieurs personnes ont été blessées. Son garde du corps personnel, grièvement blessé, a succombé à l'hôpital préfectoral de Manou. Le porte-parole du ministre nous confie que pour le moment, on ignore si le ministre lui-même fait partie des blessés. Eh bien, les amis, c'est ici que prend fin ce petit bulletin d'information. Restez abonnés, restez à la chaîne, partagez avec vos amis si vous la trouvez notamment intéressante. À très bientôt pour un nouveau bulletin d'information. D'ici là, portez-vous très bien.